Profitons des seniors pour apprendre à lire et à écrire. Dans notre classe, on a des ordinateurs, un TNI, et au début d'année, on avait des 5 iPads. Mais comme on n'en avait pas assez, on était obligés de vendre des pop-corn pour en avoir. Avec les iPads, on a fait des QR codes pour mettre des vidéos dans la fiche. En fait, on a fabriqué des pop-corn, après on en a goûté. Après, on a demandé aux mamans d'en fabriquer. Et après, on les a vendus et on a gagné 1 200 €. Et on a acheté 4 iPads en plus. Après, on a travaillé sur les graines et on a fait des expériences. Et on a fait un grand exposé pour expliquer à toute l'école. Comme on est au CP, on apprend à lire. Les seniors sont venus nous apprendre à lire. Et au début, ils ont présenté des choses. On a présenté des exposés sur les araignées. Et à chaque fois, ils nous faisaient lire longtemps, longtemps, longtemps. Et après, on a fait un goûter. Alors, comme ils nous ont appris à lire, on a décidé de leur apprendre à utiliser les iPads. On a beaucoup marché pour aller dans leur maison de retraite et leur appris à écrire leur prénom. Moi, je leur ai appris à faire des dessins et aussi, je leur ai appris à écrire leur prénom. Au début, ils avaient peur de toucher l'iPad. Ensuite, on leur a appris à faire des photos et je leur ai appris à compter. C'était trop bien parce qu'ils étaient gentils, ils nous écoutaient et j'ai adoré. Ils étaient trop, trop gentils. À la fin, ils avaient plus peur de jouer avec l'iPad et ils ont joué avec. Et ensuite, on a pris un goûter et il y avait même un poulailler dans leur jardin. Après, des designers sont venus dans la classe pour nous aider à réfléchir et trouver une idée pour que les seniors apprennent à ne pas avoir peur des iPads. Avec les designers, on a écrit sur des post-it et après on les avait collés sur une feuille toutes nos idées. Avec les designers, on a aussi fait des cartes parce qu'on voulait plus que les seniors y soient tout seuls. Donc on a fait une carte et on a organisé une fête pour que les seniors ils soient pas seuls, ils voient leur petit-fils, nos nouveaux petits-enfants. Dans mon groupe, on a fait des pochettes pour les seniors pour plus qu'ils ont peur des iPads. Dans notre groupe, nous avons décidé de faire le bracelet pour tout. C'est pour que les seniors entendent mieux. Après-midi, les designers, ils étaient gentils. On a fait trois groupes. Les
Et puis chaque groupe, eh ben, ils avaient fait un cadeau. Et maintenant, on leur écrit sur Twitter. Et eux, ils nous répondent sur Twitter. Et c'est bien parce que tous les jours, on peut à lire et écrire. On est tous les